Fleury. On fait l'effort du côté droit, mais malheureusement. Allez, deux Bordelais, attention, qui se gêne. Oh, il bute. Ah oui, Fleury qui rate un petit peu, je pense, son lancer. Mais qui est enfin buteur qu'il est. Grand buteur, se gagné par Fleury. Dommage, dommage. Là, on aurait pu repartir tout de suite dans l'autre sens. Ouais, je pense qu'il rate son lancer en plus. Damien Fleury, mais tout de même, il rate. Nouvelle Verti. Lessard qui va conserver ce collet. Lessard qui va. Oh oui, belle passe. On envoie un but. En but. Quel jeu entre les deux Canadiens. Jonathan Lessard. Lessard qui va récupérer son collet. Va faire le tour. Et Johnston, il l'a vu. Il y avait de l'espace. Ouais, qu'il a mis en bas. L'angle. Qui arrive à destination. Attention. Ouh, c'est vicieux ce lancer là du revers de la part de Damien Fleury. Bien bloqué de l'épaule par Clément Fouquerel. En haut, Makiken. Ouais, but. Ah ouais. But sur ce rebond, sur ce lancer. Attends, donc, on perd ce palais. Et Makiken va retrouver le palais, va faire un petit lancer anodin à la cage. Finalement bloqué. Et, un petit revers de Champagne sur le rebond. Ouais. Commencer. Ah, ça dévié à côté, récupéré par Lessard. Il va tenter de le récupérer, ça va sortir. Non, ça va rester encore, c'est bien joué. Lancé. Ah, but ! Oh, c'est le but magnifique de Julien Desrosiers. On voit Galet encore une fois très bien à la bleue. Et un lancé ras la glace. Bien placé, je pense qu'il est au poteau. Exactement. On ne le voit pas d'ici, ouais. Mais pour qu'il rentre. En Champagne. Attention, en vitesse, Fleury. Oh oui, c'est bien fait. Au but, ah là sans problème, Damien Fleury, donc on voit ici en vitesse, avec très belle passe, et là c'était trop tard déjà, ah et là il l'a fixé et hop. Bon Julien, on était pas si loin que ça finalement ce soir, mais on s'en contentera. Ouais, on a encore réussi à aller chercher un point à l'arraché à la fin là, avec un but égalisateur. Je pense que ce soir, on aurait, avec toutes les circonstances de blessés, de malades de Grenoble, je pense qu'on avait largement la place d'aller chercher peut-être 3 points. Notre powerplay fait défaut. Je pense qu'il va falloir qu'on travaille un petit peu plus là-dessus et surtout trouver de l'efficacité parce que c'est tellement important maintenant dans le hockey d'aujourd'hui. Voilà, les unités spéciales, c'est une grosse partie du jeu, ce qui ne marque plus trop de buts à 5 contre 5. Donc voilà, il faut qu'on communique, qu'on regarde, qu'on exécute et puis surtout de travailler. Je pense qu'il faut continuer de travailler et puis voilà, ça va payer un jour. C'est encore toi l'homme providentiel comme face à Lyon qui égalise dans les derniers instants? Ouais, j'étais à la bonne place au bon moment et puis bon, j'ai eu la chance d'avoir le palais sur la palette et puis bon, j'ai mis tout ce que j'avais dedans et puis elle est rentrée, tant mieux, voilà. Ce soir, on peut souligner aussi la belle performance de l'infériorité numérique qui a bien tenu contre la meilleure supériorité du coup. Ouais, tout à fait, c'est sûr que voilà, on peut dire que nous on n'a pas marqué, mais eux non plus ce soir et puis voilà, c'est plutôt positif que notre désavantage fasse le boulot, parce que peut-être un petit manque de confiance dernièrement, on prenait quelques buts, mais bon, c'est toujours satisfaisant pour eux de faire le travail et puis de pas encore des buts. Sur la saison, contre Grenoble, finalement, fait 2 prolongations, une victoire, une défaite. Ouais, c'est sûr qu'au bilan, c'est pas mal. Je pense que si on aurait eu cette fiche contre Grenoble devant nous sur un papier en début de saison, on aurait signé de suite. Donc non, je pense qu'au final c'est quelque chose qui est pas trop mal et puis c'est malheureux qu'on n'ait pas pu aller chercher un petit point supplémentaire ce soir. Grenoble a un peu de mal du coup face à nous cette saison. Est-ce que ça peut nous donner confiance contre un adversaire potentiel pour les playoffs? Ouais, je pense que même eux, si vous leur posez la question, évidemment qu'ils veulent pas nous affronter. C'est sûr que premier tour de playoffs, on va pas se faire de cachette qu'on fait partie quand même des grosses équipes de la Ligue Magnus. Donc forcément, un premier tour contre Bordeaux, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui souhaite ça. Vincent, Grenoble diminué, mais Grenoble victorieux ce soir à Bordeaux? Ouais, c'est 3 points qui font du bien, surtout contre une équipe de Bordeaux qui est quand même très solide défensivement. Donc c'était vraiment pas facile. On a vu un gros piqué des BDL ce soir?
Ouais, ça s'est très bien passé pour nous. C'est vrai qu'on a eu du mal les derniers matchs en piqué, donc ça fait du bien au moral justement de bien jouer en piqué, surtout contre Bordeaux qui est une très bonne équipe. Vu les physionomies des rencontres, Bordeaux est un adversaire à éviter en playoff au premier tour. Oui, bah de toute façon, après pour aller au bout, faut gagner tout le monde, mais c'est sûr que c'est pas le meilleur tirage, on va dire, mais après voilà, comme je disais, faut gagner tout le monde. Ce soir, la meilleure attaque du championnat a buté sur une bonne défense et un bon Foucrel devant la cage. Ouais, bah comme je disais tout à l'heure, Bordeaux est très très fort, très compact défensivement. Il joue très bien ouais, défensivement justement, donc c'est jamais facile d'attaquer la cage. Et c'est sûr que Foucrel a fait un très bon match. Ouais.